Hop, dernier jeu. Enfin, normalement, c'est l'avant-dernier, hein, mais ce sera le dernier jeu qu'on testera, hein, puisque, comme j'ai dit, Grand Kingdom, on l'a déjà fait la démo, donc ça sert à rien de le faire. Oui, haute définition, c'est bien. La PS4 Pro, à chaque fois, il y a les options, il me demande ça. Est-ce que je veux jeu en haute définition ou jeu en rapide? Bon. Elle est trop jolie, là. Alors, de quoi ça parle, ça? Si, les sous-titres c'est bien parce que voilà, en stream c'est mieux. Ça sauvegarder, ça sauvegarder. Donc Knack, ça a l'air d'être un piaf. Hein. Moi je suis un casu, donc je m'en facile. Voilà. Voilà. Hop, nouvelle donnée. Ça ne dit toujours pas à quoi on va jouer. Hein. Ces images ont été filmées voilà deux jours dans le massif. En français, donc il n'y a pas de sous-titres. Il semble que les tribus de gobelins, qui n'étaient jusqu'à présent qu'un simple désagrément, ont récemment fait tomber un avant-poste fortifié. Je tiens à vous remercier d'être venu si vite. Et docteur, merci de nous accueillir tous ici. Comment ces gobelins ont-ils pu en si peu de temps passer des arcs et des flèches aux chars et aux armes à feu? Où se trouve leur base? Et que faire pour contrer cette nouvelle menace? Nous devons immédiatement envoyer une équipe sur place pour tenter d'évaluer la situation. Y a-t-il des volontaires? Le massif? C'est en plein pays gobelin, ça. Je peux vous y emmener, mais je ne garantis pas que nous reviendrons tous. Victor? Victor Industrie se réjouit de pouvoir tester ses tout derniers modèles de robots de combat sur le terrain. Si cette expédition nécessite un commandement humain, elle aura toutefois besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant pour faire face aux armes des gobelins. L'équipement de combat de nos robots sera un atout indéniable pour la réussite de cette mission. D'autres volontaires, peut-être? Mais bon, c'est des vieux. Parfait. Ryder et Victor formeront donc notre équipe de reconnaissance. Oui, docteur? Avant que cette expédition ne soit validée, je voudrais vous présenter une de mes toutes dernières réalisations. Venez! Ryder! Lika, comment tu vas? Bien, avec le docteur, pas le temps de s'ennuyer. Hein? J'ai des trucs à faire, à plus tard! Ok. Vas-y! Oula, un gros bouton. Vas-y doucement, mon ami. Ça va aller. Ça, c'est bon, pas évidemment. Je joue le poulet. Je suis fier de vous présenter ma toute dernière création, Knack! Avec le deuxième stick. Oh, j'ai gagné d'équipement.
Comme vous le savez tous, notre société repose en grande partie sur ces reliques. Ces mystérieux vestiges d'une civilisation qui nous est inconnue, qui alimente nos machines et conditionne notre mode de vie. Parce que je me vois filmer. Ce qui ne sert à rien du tout parce que c'est qu'il n'y a que moi qui vois cet écran. Mais c'est pas grave, hein. Moi je suis un poulet du futur. Je suis un poulet méca du futur. Nous extrayons ces fameuses reliques des mines souterraines. Elles alimentent nos voitures, nos avions et nos générateurs. Cette formidable source d'énergie perpétuelle a révolutionné notre façon de vivre. Bon, j'ai peut-être voulu aller un petit peu vite. Ah, ça aurait pu, il fallait que je saute un peu plus loin. Non, bon, on va y aller correct. Cela fait des décennies que j'étudie les secrets de ces reliques et que je m'efforce de leur donner vie. Le résultat... Non, mais ça doit passer, hein. Il faut juste sauter sur la deuxième passerelle ou de plateforme au dernier moment et double jump, à mon avis, ça passe. Par un truc, ah oui, par une plaque électrique. Mieux. Comme vous le voyez, Nak peut atteindre une taille phénoménale. Maintenant, j'ai même plus peur. Même plus peur de la merde. Bonjour. Bon, peut-être pas deux. Oui, ah oui, d'accord. Pour me dire que j'esquive comme ça. Ah oui, j'ai une barre de vie quand même. Faut que je fasse gaffe. Ah, puis j'ai une nouvelle petite barre, j'ai la barre de vie qui dépend de la taille que je fais. Casse-toi. Je veux pas te voir, le mob. Pour se régénérer, Nak doit absorber l'énergie des pierres solaires.
Une fois qu'il a fait le plein d'énergie, il est capable de produire une onde de choc extrêmement puissante et très impressionnante. Mac, utilise ton onde de choc pour ôter leur bouclier à ces robots. Il n'y a pas que les boucliers que j'ai enlevés. Hein. Comme vous pouvez le voir, l'onde de choc peut affecter plusieurs cibles à la fois. Régénère-toi à nouveau grâce aux pierres solaires. Ouais, faut que tu m'en donnes. Grâce à l'énergie des pierres solaires, Nak peut également se changer en une tornade de reliques. Allez, Nak. Ah, oh bah oui, super. Utilise ton attaque tornade sur ses ennemis, s'il te plaît. Vous l'avez vu, Nak peut utiliser l'énergie contenue dans les pierres solaires pour accroître davantage ses incroyables pouvoirs. Facile, hein. Il n'y a pas trop de compliqué. Mes compliments, docteur. Vous l'avez appelé Nak, c'est bien ça? Comme en fait, les saucisses. C'est moi qui ai choisi ce nom. Mes compliments. Il a l'air un peu fragile, je trouve. Avec les gobelins, nous ferons face à des adversaires bien plus dangereux que ces tas de boulons paresseux. Où voulez-vous en venir exactement, Victor? Eh bien, j'ai amené quelques-uns de mes robots. Ok, oh, il est forcé ses robots. Si tu as à voir le dessus, je reconnaîtrai qu'il a sa place dans cette mission. C'est possible. Je vous propose d'aller dans le jardin. Nous aurons plus de place. Alors ? Vous croyez qu'il sera à la hauteur? Nous allons vite le savoir. C'est bon. Ah, parce qu'en plus, il faut en faire plein. Salut les filles! Ah, puis il y a les plaires solaires qui poussent dans les fleurs, hein, normal. Grâce à l'énergie des pierres solaires, Nak peut aussi atteindre des cibles éloignées avec un déluge de reliques. Ah bah comment on fait ça? On trio. Cette attaque rafale peut même atteindre tout un groupe de cibles simultanément. Chargé donc. D'accord, tu m'en donnes beaucoup là quand même, je trouve. Hein. Je vais quand même aller refaire le plein. On sait jamais ce qu'on va avoir derrière. Ça se voyait pas du tout.
D'accord. C'est tombé, hein, je fais ça, vous êtes mort. Peut-être que je garde pour le boss parce que je dois y avoir un boss. J'ai dit que je laissais pour le boss, mais j'ai utilisé la mauvaise touche. Résultat, j'ai tout pété. Je peux pas casser les voitures. Voilà le boss. Ou pas. Ils ont l'air tout aussi petits. Non, par contre, celui qui est derrière elle, ça sera plus le boss. Au suivant. Ah, maintenant, ils sont tout aussi petits. C'est bon, les mecs? Vous avez fini de lancer des voitures? C'était pas la fin et j'ai plus de cristaux. Tristesse. J'ai tendance à vouloir taper avec Ron, ce qui n'est pas le bon truc. Les esquives, ça marche bien. Pas de cristaux aussi. Dans les murs, s'il y a toujours de la vie, voilà quoi. Au bout d'un moment, j'ai plus besoin de la vie. Ah, j'ai cassé la statue. Bah oui, bah on jouait dans le jardin. Charlotte. Ah bah oui, bah Charlotte, elle a pas qu'à traîner dans le jardin. Pardon. T'as cassé Charlotte. Voilà, ça c'est pour avoir cassé Charlotte. Des trucs, des vrais cristaux. Qui c'est qui m'attaque là? Ouais, super. Eh bien, Victor, vous me trouvez encore fragile? Ce cher docteur va finalement se joindre à nous. C'est ce que vous voulez, non? Et surtout qu'ils viennent avec Nak. Quelle fabuleuse démonstration, docteur. Oui, Nak doit faire partie de cette expédition. Charlotte aurait sûrement adoré Nak si elle était encore des nôtres. Allez, Doc, allons-y.
Plus vite, mon garçon, le temps presse. Au fait, Doc, pourquoi nous prend les petits avions sur mon neveu. Il a grandi si vite. Franchement, Ryder, c'était plus simple quand il était petit. Maintenant, il veut tout savoir sur tout, et pourquoi ci, pourquoi ça. Des fois, je trouve ça usant. Vous devriez faire une pause. Et si je le prenais avec moi quelques jours? Oh, avec joie, oui. Les gars, c'est juste toi et moi, mon grand. Les traces des chars gobelins devraient être encore visibles. Ouvrez l'œil, surtout. Chernak, que l'aventure commence. C'est parti. Pourquoi elle se transforme pas en avion? Allez, Charlotte, porte-nous chance. Ce serait peut-être plus simple, non? L'ancienne mine du massif, elle est gigantesque. Les tunnels courent sur des kilomètres. Impossible de savoir ce que fabriquent les gobelins. Faut atterrir et aller explorer ça à pied. Bah, ils fabriquent des chars, ça se voit, non? Ils ont barricadé l'entrée de la mine. Il faut qu'on trouve un autre accès. Je crois qu'on ira plus vite en se séparant. Vers le nord, l'est et l'ouest par la forêt. On prend la forêt. Viens, Nak. Sois prudent, Nak. Ces bois fourmillent de créatures dangereuses. En train d'attaquer des trucs chelous, hein. Tout va bien. C'est parfait. Par contre, je peux pas attaquer. Aïe. Ah, de me foutre la paix. Ah, mais maintenant il y en a des explosifs. Mais c'est quoi cette forêt? C'est des scarabées explosifs. Ah ouais, Ah oui, j'ai déjà plus de vie. Ils explosent. Faut faire gaffe. Ceux qui ont des petites lumières rouges, elles explosent. Explose. Le dash il est pas très long quand même. Regarde, cette vieille construction contient des reliques. Ah, j'ai un peu grossi. Oh, des piafs. Oh, attention, je compte les piafs, ça va être chiant. Aïe. Aïe. Nak, d'après ces pièges, il doit y avoir des gobelins par ici. Sois prudent. D'accord. C'est vraiment des pièges. J'ai bientôt de nouveau plus de vie. Aïe! Mais aïe! Arrêtez de me... Ouais, joue en facile, là, ça se voit.
mur cassé. Le temps de fuir. T'occuper avec le piaf. Un gobelin. Dans ta face. En plus ça se tue même pas entre eux. Je suis tristesse. En plus, hein. Parce que bon, faut quand même utiliser un peu. Ah, ça me ralentit, d'accord, la saloperie. Ah là là, il y en a un qui tire à l'arc, ça fait chier. Ça. Récupérer de la vie. Ah non, mais il me file des trucs jaunes, moi je veux de la vie. Donc là, il y a encore un piaf de merde, je vais me tuer. Ça passe bien, hein, les contrôles, tout ça, c'est nickel. Hein. Ah non, je suis caché dans le décor, c'est marrant. À un moment, je me suis dit, peut-être la flèche, elle va viser à travers le truc. Mais... Ah, de la vie. Docteur, j'ai trouvé un autre accès à la mine. Bien joué, Nak. Ne bouge pas, j'arrive. C'est marrant, Nak. Hop. Donc il y a des trucs à choper. Des machins. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Hop. Bon non, c'est pas ça qu'il faut que je mette, mais là je vais mettre ça pour le résumé. Ouais, c'était pas si pire. Donc on est, ouais, Exilène de... Ouais, mais voilà, c'est
Metroidvania, quoi. On récupère des trucs, on va en avant, en arrière. Spelunker, bon, ça c'était l'enfer. Hein. Mugen Souls, c'était sympathiche. Et puis, enfin, si on aime bien Nepunia, ça a l'air d'être dans le même style. Rhyme, ça peut être sympa à faire. Ça doit pas être très long. Knack, c'est sympa aussi, hein, c'est bien monté et tout. Après, faut voir niveau gameplay et tout ça, mais ce que j'en ai vu, c'était cool, quoi. Moi, Grand Kingdom, on l'avait déjà fait, c'était cool, quoi. Donc, c'est un mois sympa, ça va. C'était pas, on a eu des mois dégueulasses. Là, c'était un mois pas trop dégueu. Ah, mais c'est pas ça. C'est ça. Donc, demain, Monster Hunter, on va chasser encore. On devrait démarrer le niveau expert. Et dimanche prochain, on reprend Fate Extella pour finir le chapitre de Altera. Et commencer, si on le finit avant minuit, l'émission seconde, enfin les chapitres des persos secondaires. Voilà. Allez-vous. Bonne nuit et à la prochaine.